Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode de ma carrière avec Manchester United, les gars. Et du coup, regardez ça, qu'est-ce qu'on a au menu? Les demi-finales aller de la Ligue des Champions face à Benfica. Donc, ils ont réussi à se hisser jusque-là, c'est pas pour rien à mon avis, c'est sûr que c'est pas le Barça. Mais à mon avis, s'ils sont là, comme je vous ai dit, ouais, c'est pas par hasard, ils ont vraiment fait un beau parcours. Je sais qu'ils avaient éliminé Milan et à mon avis il y a eu du beau monde juste avant. En tout cas, lors de la dernière vidéo, c'était pas la folie parce qu'on avait fait deux défaites d'affilée contre les Wolves et ensuite contre Leeds qui nous avait fait très mal pour le classement. Heureusement, on avait fini sur une grosse victoire quand même, 3-0 face à Brentford. Donc ouais, c'est pas dégueu. Et du coup, au programme de cette vidéo, les gars, les demi-finales allez. Ensuite, le match à Norwich à domicile. Donc, va falloir même le gagner celui-là parce que ouais, vous savez que les points là, on est en fin de saison, ça va être très important. Et enfin, face à Benfica, le retour. Donc, on va partir sans plus attendre, les gars. On n'a rien à regarder. On s'y met jusqu'au match. Sans surprise, on est titulaire. Et c'est maintenant qu'il faut gagner parce que c'est à l'extérieur. Ils ont une très belle équipe. Ah ouais, mais c'est quoi cette équipe? Regardez l'attaque. Derrière, en tout cas, je connais Cardstop. Jas, je ne sais pas exactement lequel c'est. Est-ce que c'est pas Bruno Fernandes au milieu? Je ne sais pas. Ah non, ben non, je suis bête. Il est avec nous. Je suis complètement bête. Donc c'est pas Bruno Fernandes. Je ne sais pas c'est lequel. En tout cas, ils ont João Mario, Everton, Vinicius. Est-ce que c'est Vinicius Junior? Je pense. Et Jota. Donc franchement, très très belle équipe. Ça risque d'être vraiment compliqué face à cette équipe portugaise. On va y aller, les gars, à l'extérieur. Espérons faire le taf nécessaire Ne pour rien pouvoir oublier les pour la accueillir finale comme de il la Ligue faut des Champions au qui arrive retour. aujourd'hui. C'est une demi-finale Là, entre on l'Inter rentre qui affronte dans le le vif du PSG. sujet avec ce match. Ça risque d'être blindé. On va voir ça. Le très beau tifo et surtout la pluie qui vont Salut à déranger les tous, je gars. suis absolument ravi de vous retrouver Et sur voilà les tribunes de l'affiche. Lisbonne, l'Estadio da Ça Luz, doit pour ce être match sûrement une qui se légende, je sort vois pas qui magnifique. c'est C'est mon ce collègue tifo. Hervé qui va En tout commenter ce cas, on match. simule les gars et S'il y a on est jaucasse parti parfois, pour la Ligue des c'est que Champions. vous n'êtes pas. Oui, le centre peut-être. Attention, il lui Attention remet la frappe. bien et l'arrêt de Correa, De Gea. Correa qui se joue Bien joué, sur Sancho. La passe forte. Rashford. Pour Rashford qui me la remet, je la mets Bruno là et Fernandes. ça finit très très bien. Je sais pas qui Marquinhos c'est, qui il me semble que c'est ouvre Fernandes. la C'est finale Fernandes, et les gars. Ça, c'est le l'Inter vrai passe Bruno en Fernandes demi par qui finit sur Sancho. cette action super bien construite. Encore une fois, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Donc, pourquoi s'en priver? On va la revoir, franchement, pas mal. On voit Et cette ça nous très permet belle de prendre passe l'avantage. qui Voilà, je la amenait mets le but forte sous la après Rashford qui pression. me la remet en talonnade. Personne Balle ne au s'y contrôle. attendait. Et après, je pense que j'ai bien fait, je la mets à Bruno Fernandes qui finit pied gauche et le gardien trop court sur la trajectoire du ballon. On mène 1-0 à Benfica. Et ça, bien défendu. Ok. Ok, la contre-attaque. Allez. Attention, ça Allez peut en devenir vitesse. intéressant. Tout en haut. Il est Marquinhos beau. Ah, oh, il est Rashford, hors jeu. Pourquoi il n'a Rashford, pas Rashford. reculé? Et ça... Il va y Non, la aller. frappe! Ah, Et c'est dedans, les gars, ils égalisent. l'équipe qui sort en 39e faillite. minute. On est tous passifs et ça rentre du coup, logiquement. On n'a pas le Le droit centre d'être sérieux passif dans une passe à demi-finale de Ligue des Musculation. Champions. Ils Et viennent de puis nous le c'est démontrer, les gars. Mito. Ah, ça a Faut. été quand même un but. Ah oh, l'interception, il a Ok, tout mi-temps, les gars, anticipé. il est hors jeu. Allez, Juste le un gros partout. problème Non, là on va pour rester cette là seconde à la période, faune. c'est ma Mais forme. J'en ai vraiment plus beaucoup et ça va vraiment être dur de gérer ça. Plus dans 2 jours, rejouer en première ligue et 2 jours encore plus tard, rejouer en Ligue des Champions. Ça on va pas marque être de la jusqu'à tartine, 45 je sais pas minutes dans comment on va cette gérer ça. demi-finale aller Mais de la Ligue il nous des faut un Champions. résultat dans ce match et je le sais, et tout le monde le sait. Chercher la Attention. finition là. Et il Attention à la récupère frappe le ballon. latine, Magnifique Derrea, passe. sur la trajectoire. Superbe. Je la décale. Rashford. Rashford qui me la remet et je l'enroule. Pied droit, l'arrêt du gardien. Mito. C'était Ça, pas c'est mal bien cette récupéré. combinaison. Dommage. Ok, les gars, on va demander le changement à la prochaine sortie. Au moins, je sors. Il vaut mieux. Parce que Alors que franchement, l'entrée j'ai pas envie de maintenant me blesser est de maintenant. 23 Pas minutes.
à la fin de la compétition. Attention au décalage. C'est bon, bien joué derrière. Ok les gars, ça sort. On va sortir du coup sur ça. Un but à 1. On va simuler la fin du match, ouais, il vaut mieux. Voilà. J'espère vraiment. Ok, ça se finit 2 buts à 2. Heureusement qu'on perd pas ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Sancho avait marqué. Waouh, elle m'a sorti en plus une contre-attaque, du coup, j'imagine, sur le corner. Et en plus, Ronaldo était rentré à ma place. Et finalement, il y a Remcho qui régalise en toute fin de match à la 87e minute. En vrai, c'est un bon résultat, les gars. Match nul. On n'a pas perdu. Pour l'instant, les jeux sont des deux côtés, on va dire. Donc, maintenant, faut assurer contre Norwich et pas trop se fatiguer pour la demi-finale retour. Je pense qu'on va aller se le jouer en tant que remplaçant, les gars, ce match. Il vaut mieux. Au moins, on ne perd pas trop de forme. Je rentre à la 63e minute. Ça devrait le faire. En vrai, j'ai pas énormément de forme. Je crois qu'on gagne 2-0, non? Ou je me suis trompé? On va voir ça. Il me semble qu'on gagne 2-0. Donc, si on gagne 2-0, je ne vais pas faire trop de courses. Ok, on gagne 2-0. C'est parfait. Donc, je vais essayer de pas trop me cramer, les gars, pour être prêt pour la demi-finale. Retour. Allez. Allez, la contre-attaque. La fin de frappe. Je la remets. Encore. Et 3-0, les gars. La passe D. Première action. Première contre-attaque. Et premier but. La passe D pour Vardy. C'est super. Là, on assure au moins. Là, je vous dis, les gars, je vais pas essayer trop de courses pour au moins avoir le maximum de forme en tant que titulaire pour la demi-finale retour, j'ai envie de dire. Allez. Je tente la frappe lointaine et elle est sortie par le gardien. Franchement, il partait bien pour une fois. Je la mets. Bien joué. Dommage. Ça se finit en 3-0 du coup, les gars. Franchement, pas beaucoup d'action, mais écoutez, je pense m'être assez préservé niveau forme avec un entraînement. Normalement, je suis titulaire et on est parti pour une demi-finale retour de folie, il me semble. On ira voir ce que ça a changé en première ligue juste après ce match, les gars. Mais pour l'instant, il faut se concentrer sur ça. Bah, en fait, il n'y aura même pas besoin de faire l'entraînement. On va être titulaire, hein, je pense. Ok, on sera dans le 11 de départ. Ok, ben, les gars, on est parti. Regardez, on va voir peut-être les nouveautés. Qu'est-ce qu'on a? Bis repetita contre Norwich, ok. Pas de but encaissé. D'accord. L'équipe de la semaine, est-ce qu'on a fait partie? Je pense pas en vrai. Ouais, voilà, c'était pas terrible, hein, mon match, on va pas se mentir. Manchester United, l'espoir est là. On va voir cet article. L'équipe va sûrement vouloir faire fructifier ses deux buts marqués à l'extérieur. Après le nul, 2-2 à l'aller, l'avantage du terrain pourrait donner confiance à cette formation qui va devoir gérer ce score favorable. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense pas. Ouais, je pense qu'ils ont déjà mis la nouveauté là, que le but à l'extérieur ne compte plus. Je crois pas que ça compte double. On verra bien. Mais il me semble pas. Et donc, pas grand chose d'autre, on va dire. On va voir le score de l'autre match. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ok. La Juve a gagné 2-1 contre Naples au match aller. On verra ce qu'ils vont faire au retour. Bonne chance à eux. Bonne chance à nous, parce que nous, on est parti avec cette même équipe. Et là, je suis quasiment en pleine forme. Et regardez, je suis aligné milieu offensif gauche. Ok, bizarre. Bizarre que ce soit pas Rashford. En tout cas, du coup, c'est Rashford Isaac devant. Bruno Fernandes, pardon. Et moi sur les côtés. Et après, c'est du classique derrière. Mais ben ouais, bizarre que ce soit moi et Mogé. Peut-être que Sancho est blessé, je sais pas. Parce qu'il avait pas fait un match dégueu à l'aller. En tout cas, les gars, là, on va se laisser la musique, je pense, parce que c'est peut-être notre dernier match de Ligue des Champions. Franchement, j'espère pas, parce que qu'est-ce qu'elle est bien, cette compétition. J'aimerais vraiment qu'on aille au bout. Ce serait incroyable pour ma première participation dans cette compétition. Et surtout, avec Manchester United, franchement, incroyable. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné cette compétition, eux aussi, dans la vraie vie. Donc, pourquoi pas leur donner. Ok, en fait j'ai passé tout, désolé, c'est pas grave, on va y aller sans musique les gars,
à nous de faire le maximum pour l'entendre une autre fois. Attention, ils ont l'air déter. Ouh là 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 là, la première action déjà. Everton qui la met à côté. Heureusement pour nous, les gars. Direct, hein, là, on y va. C'est pas mal. Bien joué. Allez, mon premier face à face. Oh l'arrêt. Ah, j'aurais dû tirer premier poteau. Franchement, j'ai pas été bon là-dessus. J'ai vraiment pas été bon. Pourquoi pas? La tête. Oh là là, juste au-dessus. Allez, je t'ai vu. Isaac. Isaac, la décale pour Ashford. Oh l'arrêt encore. Incroyable. Bien joué. Bien joué, Isaac, ce décalage. Je tente le centre pour Ashford. Oh oui, ça rentre. Les gars. Voilà, 1-0. On mène dans ce match à Old Trafford. Très, très jolie action encore une fois. Qui finit au fond. J'y croyais pas parce qu'il a, dans un premier temps, ralenti cette frappe. Le gardien, on va le revoir. C'est parti d'Isaac et de Luke Shaw qui m'ont servi. Et après, je sers à mon tour Ashford. Et là, le gardien qui la repousse dans son but. Heureusement pour nous, on mène 1-0 les gars. Pour l'instant, on est en finale. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Tu m'as vu? Au centre, la tête. Oh l'arrêt, les gars. Je vais tenter. Ok, les gars. Mi-temps. On mène 1-0 pour l'instant. On est très, très bien dans ce match. On peut même en mettre un autre, franchement, si on assure. Regardez, on domine les statistiques. Mais attention, parce que ils peuvent être dangereux à tout moment. Et surtout, on peut faire une erreur à tout moment qui peut être fatale. Donc, on reste concentré jusqu'à la fin. Très 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 intéressant, très attendu. Attention, ils sont déterminés. Ouh là là, je l'ai vu dedans, j'étais dégoûté. Jota, en tout cas, c'est pas celui de Liverpool, les gars, il me semble. C'est pas sa tête du tout. Elle est juste à côté, franchement, je l'ai vu dedans, ça a fait bouger le filet. Grosse frayeur. Attention. Attention, s'ils se retournent, la frappe. Oh non, ils égalisent, les gars. Ils égalisent, voilà. Comme à l'aller, on est passif et on encaisse cette putain d'égalisation. Oh là 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 là. Ah, je suis dégoûté. Regardez, personne ne le prend au marquage. Ah non, les gars, c'est pas fini. S'il me la remet, bien joué. Je la mets en retrait. Encore Isaac, ça m'arrive dessus. Je la tente, oh là là, ça rentre pas, l'arrêt du gardien. Encore. Je l'attends une nouvelle fois, l'arrêt. Putain, c'est pas possible ce gardien. C'est pas possible ce qui ressort. J'ai mis toute ma rage dans ce ballon, on peut le voir. Et il s'étend. Allez les gars, franchement, j'ai pas envie qu'on se fasse éliminer. Le beau changement de côté. Bien joué. Je l'attends encore de loin. Oh la barre. Fini, non. Oh putain, la barre. Je suis dégoûté. C'est pas fini. C'est pas fini. Bien joué. Arrater. Arrater. 74e minute. Je délivre. Manchester United. Et je nous délivre. Pour l'instant, de cette demi-finale. Voilà, on va voir les supporters. Parce que c'est grâce à eux qui nous poussent depuis la première minute de ce match. Oh là là, ça fait plaisir. On va le revoir. Franchement, je me suis hissé entre les défenseurs à la limite du hors-jeu. Et là, je me suis dit, pourquoi pas rater. Je ne l'ai pas tenté dans ce match. Et j'ai bien fait. 2-1, les gars. On repasse devant. Non. Non. Deria. Magnifique. Allez, je défends. Non, il a trouvé. Oh non, ils égalisent. Ils égalisent. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Il restait 2 minutes à tenir, les gars. 2 minutes. J'ai même plus de forme. Très importante, hein, cette Oh là 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 là, non. N'a jamais lâché, elle a fait beaucoup d'efforts. Oh, on s'est fait manger sur cette action. On s'est fait manger, personne ne défend. Et Everton qui marque ce but, les gars. 2-2 dans ce match retour également. Pour l'instant, c'est parti pour aller en prolongation, je pense. Et du coup, ça finit sur ça, les gars. Fin de cette seconde période. 4-4 en score cumulé.
deux buts n'auront pas suffi à l'aller, deux buts n'auront pas suffi au retour pour vaincre Benfica. Ça va donc se jouer en prolongation. Et regardez ma forme, franchement, ça risque d'être très, très, très compliqué. On va voir ça, ma forme. Mais j'ai rien du tout. Ouais, voilà, j'ai un quart, même pas. Faut y aller, les gars. Je m'appuie. Bien joué. Je suis pas hors jeu. Je la mets. Oui! La passe décisive, je suis pas hors jeu. Tout le monde croyait que je l'étais. Et Vardy, après son entrée en prolongation à la place de Rashford, qui marque. Et pour l'instant, il nous redélivre de cette situation, les gars. On marque directement, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir, regardez ça. Il s'est battu pour me la mettre, Isaac. Et après, j'ai pas attendu, je la mets direct à Vardy. Et Vardy, l'instinct de buteur, qui finit cette action magnifiquement bien, les gars. 3 buts à 2. On y va. Mi-temps de prolongation, 15 minutes. 15 minutes à tenir. On est devant, il faut que ça reste comme ça. Niveau stats, c'est sûr qu'on mérite, mais après, franchement, sur le terrain, ils sont vraiment bons, Benfica, les gars. Il n'y a rien à dire, que le meilleur gagne. Espérons que ce soit nous, les meilleurs. Isaac, qui cède sa place à Ronaldo. J'espère qu'il va nous faire du bien avec Vardy devant. Moi, je reste à gauche, apparemment, donc on continue comme ça. Tant qu'on gagne, ça me va. Vardy pour Ronaldo, qui la remet. Sancho, oh là là, l'enveloppé. Et l'arrêt, vraiment, leur gardien, c'est l'homme du match, a rien à dire. Non, quelqu'un, Derrea. Bien joué, frérot. Non, pas de la tête, pas de la tête. Incroyable encore, c'est dévié sur le poteau, exactement. Bien joué. Allez, faut que j'aille perdre du temps. Faut que j'aille perdre du temps. Deux minutes à jouer dans ces prolongations. Bien joué. Je la mets à Vardy. Jamie Vardy. Vardy, tu m'as vu. Le centre sur le défenseur. Ouais, ok, je la sors. Allez les gars, normalement, ça devrait être bon après ce 6 mètres. Et on est en finale de Ligue des Champions, les gars. Incroyable. Quel match. Quelle compétition, il n'y a rien à dire. C'est mérité, mais franchement, quelle équipe de Benfica en face. Il mérite vraiment d'être là parce que je pense que c'est les meilleurs qu'on ait affrontés. Parce que normalement, ça veut rien dire. Si c'est en demi-finale, autant Leipzig aurait été meilleur qu'eux. C'est ce que je pensais, mais franchement, pas du tout. C'est vraiment une équipe de folie. Et ça me fait vraiment plaisir qu'on ait réussi à les vaincre. Rashford, moi-même. Et Vardy contre Vinicius Everton. 3 buts à 2. Magnifique ce match, les gars. Trop content qu'on puisse jouer cette finale. Et moi, je crois que j'ai fait un but, une passe D, il me semble, ou deux passes D. Un but, deux passes D. Donc, franchement, masterclass niveau personnel aussi. Et du coup, qui est passé entre Naples et la Juve, on ne sait pas encore. Pour l'instant, toujours 2-1. J'ai mon trophée d'homme du match. Il fait vraiment plaisir. Voilà. On va tout simplement regarder tout d'abord la première ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? Manchester City a 72 points, mais ils ont un match de retard. Donc, ils sont potentiellement à 75 points. Et il reste 3 matchs. Donc, c'est possible statistiquement, mais très compliqué. Franchement, ça va être très compliqué. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vais pas simuler, les gars, pour nous garder la surprise. En tout cas, on va juste voir les infos. Et on va se quitter là, je pense. Manchester United aurait pu aggraver le score face à son adversaire. C'est vrai. Jeffreys n'a pas permis à son équipe de doubler son avantage. Je sais même pas de quelle action il parle. Mais en tout cas, c'est pas grave. On est dedans. Et Manchester United en finale. Magnifique. 5-4 sur les deux matchs. Franchement, quel match aller-retour. Et maintenant, il faudra aller se gagner cette finale. On verra bientôt notre adversaire, les gars. Je vous laisse liker cette vidéo, commenter, partager. Surtout, vous abonner et activer les notifications pour être au courant de la finale. Ça risque d'être très bientôt parce qu'il ne nous reste que 3 matchs de compétition. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine.